Et c'est parti pour la première attaque contre un niveau 9 qui s'appelle Rotem Ganon. Voilà, donc première attaque du deck, je ne sais plus combien, on s'en fout. Donc bonne chance. Et donc du coup, le mec il décide de jouer la carte, je t'envoie tout dès le début comme un malade mental. Mais seulement ça ne passera pas. Et oui, parce que moi, je suis un grand malade et je te défonce. Regardez-moi ça, hop, tu fais ça. Regardez, peut-être avec le sort de rage, peut-être. Bon, c'est pas ça, mais bon, c'est déjà pas mal quoi. Bon, oh, regardez l'archer les gars. Ah bah non, malheureusement. Quoique, ouais, non, bah non, malheureusement. J'y ai cru, hein. Je me suis dit, allez, ça va passer, on est des fous, on est des malades, et bah non. C'est pas passé du tout. Ah bah non, bah non, bah non. Bon, c'est pas grave, ça arrive des fois, voilà. Bon, ça arrive de fail, comme ça. C'est vrai que contre la tour de l'enfer, ce deck... Ouais, mais quoi qu'il y a moyen de... Ah là 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 là. Il y a moyen quand même de faire du taf, hein, contre... Contre la horde de gargouilles, il y a moyen de faire... Comment tu dois avoir le seum? Oh, c'est bon ça! Ça, c'est bon ça! Alors, ça passe ou pas? Ah là 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 là, mais il a trop le seum! Regardez-moi ça! Eh, ce deck, il est pas mal! Franchement, il est pas mal! Eh, eh! Il est pas mal! Moi qui vous le dis, il est pas mal! Regardez-moi ça là! Regardez, tac 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 tac! Eh, nickel! Eh, nickel! Ça fait. Eh, franchement! Ça va quand même, je me suis pas gouré au niveau du deck! Après, je sais pas, testez-le, peut-être que vous avez pas réussi à l'adopter, mais bon, il y a moyen, moi je pense qu'il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Oh là là, il reste que 12 points de vie. Oh, il va mettre un sort de zap parce que ça, j'en suis sûr, c'est obligé. Ah mince, du coup j'ai le deck là. C'est pas grave, parce que là, oui, ouais, effectivement, le sort de zap là me serait bien utile. Mais franchement, c'est rare ces occasions, c'est très rare. J'aurais joué plus vite, il m'aurait servi à rien, le sort de zap. J'aurais joué plus vite, ça aurait été pareil. J'aurais joué plus vite, j'aurais pu du coup. Ouais, j'aurais pu mettre mes... Enfin, si j'aurais mis mes squelettes avant, et eh ben au final, voilà, j'aurais pas eu besoin de sort de zap. C'est vraiment très rare quand t'as besoin de sort de zap... de zap. Franchement, entre nous, c'est rare, quoi. Donc arrêtez de me dire que les sort de zap, c'est la meilleure carte du jeu. Ah ouais, non, franchement. Bon, alors c'est parti, on envoie ça. Ah oui, mince, ça, par contre, ça fait mal, ça. Oh, ça fait très très mal. Ça passe ou pas? Parce que lui, franchement, il fait mal. Ah, hein. il fait mal. Ça va, franchement, ça va. Alors, c'est parti, hop, on envoie... Oh, attends, on envoie ça direct. On envoie ça direct. Tranquillou mon gars. Et on va l'exploser le petit. Regardez-moi. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, et le sort de rage. Le sort de rage, les gars. Le sort de rage. Ça, c'est bon, ça. Dommage, j'ai pas touché la... Comment elle s'appelle? Ah là là, regarde l'archer, elle kiffait. Qui fait tout le taf et tout. Ça, c'est bon, ça. Regardez-moi ça. Là. Oh là 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 là. Oh là là, on lui détruit pas la tour, malheureusement. Mais c'est pas grave. Parce que regardez comment on fait les fous, regardez. Oh là 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 là, oh là 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 là. Ça c'est bon ça. Ça fait plaisir. Mais je m'en fous, on a gagné mon petit, on a gagné, regardez-moi ça. Oh là là, franchement ça c'est de la balle. Franchement, là je crois qu'on a vraiment bien joué. Oh là 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 là. Oh, ce deck, et franchement ce deck est pas... Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un bon truc comme ça. Mais là franchement, en plus tout ce qui est tour de l'enfer, mais qu'est-ce que ça dézingue. Oh là, du moment où t'as pris une tour, tour de l'enfer, tu la contre comme il faut. Ah, ça dépend où il la met, effectivement. Ça dépend où il la met, mais généralement, il la met au milieu, tu vois. Généralement, ils mettent la tour de l'enfer au milieu, enfin, tout ce qui est défensif, ils mettent au milieu. Et du coup, tu désingues tout. Après, c'est vrai que si tu commences à tomber sur de la Valkyrie, sur quoi d'autre? Sur tour à bombe, tout ça, enfin tout ce qui est vraiment dégâts de zone. Sorcier aussi, oh le sorcier, ça doit faire mal le sorcier. Enfin bon, mais bon, c'est pas tout le temps, donc je pense qu'il y a moyen de gagner assez facilement. En attendant, ce que je vais faire, bah du coup, c'est que moi, je vais vous dire à tout de suite pour une deuxième attaque. Et c'est parti. Et c'est parti, on est contre SNK Junior, voilà, donc du coup, petit sourire, petite bonne chance. Et donc du coup, hop là, géant. Alors si lui c'est le junior, qu'est-ce que c'est le gros compte? Gros compte il doit être niveau 11 ou 12, non? Moi mon petit compte il est niveau 5 et mon gros compte il est niveau 9. Voilà donc bon, j'ai envie de te dire quand même, bon c'est chaud quoi. Vite on va mettre de la Valkyrie parce que sinon on pourra pas défendre. On va pas mettre ce que je pense parce que je voulais mettre de la... Voilà, des groupes de squelettes là. Mais bon on va pas mettre ça parce qu'on va se faire défoncer. Ok. Ok. Bon, bah c'est pas très grave, hein, ça arrive des fois de le faire exploser comme ça. Mais franchement, on est plutôt pas mal parce qu'on est limite full élixir, donc c'est plutôt pas mal. On va envoyer du gobelin à lance. On va envoyer des archers, je pense que ça peut le faire. Et puis c'est déjà pas mal. Bon, nickel, regardez-moi ça. Est-ce qu'il a quelque chose d'autre? Ça passe? Ouais, ça va, stopper vite. Oui.
Ah, pour seulement 3 d'élixirs, les gars. 3 d'élixirs, ça coûte 6 élixirs, le squelette géant. 6 élixirs. Ah, qu'est-ce qu'on s'est fait plaisir, là. Ah, ça fait plaisir, ça. Ça, c'est de la balle, ça. Bon, c'est parti, on envoie quoi? On envoie... J'hésite, mais allez, c'est parti, on envoie ça, c'est pas grave. On va vite envoyer ça. Stoppez, ça passe. Dis-moi que ça passe. Oh oui. Non. Mais non, vas-y, j'étais content, quoi. Mais c'est pas grave, ça passe de ouf, regardez-moi ça, là. Oh là là. Ah, c'est magnifique, regardez-moi. Oh là là là. Oh là 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 là. Je m'en fous, mais franchement, ça passe trop bien. Mais c'est un truc de mal. En plus, il vient d'envoyer son sorcier. Il vient d'envoyer son sorcier, je pense qu'il y a moyen d'envoyer... d'envoyer ça, hop là, bon je voulais envoyer la horde de gargouille mais j'avais pas le time. J'avais pas le time de faire ça. Ça passe ou pas? Ouais. Oh là 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 là. Les archers qui vont faire du taf les gars, bon qui sont niveau 11, c'est vrai je m'a... C'est vrai que... C'est vrai que... Comment dire, attends. C'est vrai qu'il faut que je me rappelle quand même qu'ils sont niveau 11 les archers. Mais malgré tout, c'est parce qu'il fait tout le boulot, même niveau 9, ça passe. Donc c'est parti, hop, armée de squelettes. Non, il a compris. Il a compris la feinte, le fou. Le fou, il a compris la feinte. Non, 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 ça passera pas. Oh là là, il a compris la feinte. Mais pourquoi j'ai pas pensé qu'il allait comprendre la feinte? Non, il a pas compris, il a compris. Ah, mais oui. Bah, c'est pas grave, maintenant je le sais. Ah, tu vois, c'est ouais, c'est genre de petites failles comme ça qui. Faut éviter ce genre de choses, quoi. C'est vrai que c'est. C'est vrai que j'ai pas bien joué, là. Sur le coup, j'ai pas bien joué. C'est pas très grave, ça arrive. Ah mince, mais je suis bête, moi. Oh! Oh! Ça c'est bon ça. Ouais, pour le squelette géant, si vraiment vous voulez être sûr de bien contrer, faut prendre la Valkyrie, ça contre nickel chrome. Donc du coup on va envoyer ça vite fait bien fait. Et là on a gagné, mais tranquillou. Bon, on a gagné de justesse effectivement, mais on a quand même gagné. Enfin quand je dis justesse, on a pris qu'une seule tour quoi, hein. Enfin qu'une seule couronne. Mais bon, malgré tout c'est déjà pas mal. Et donc du coup bah moi je vous dirai tout de suite pour une troisième attaque. Et franchement là, le deck il commence plutôt pas mal. Oh non, franchement moi je l'aime bien. Voilà, bon en attendant je vais vous dire tout de suite pour une troisième attaque, c'est parti. Et c'est parti, on est contre Ruby FZ qui est niveau 9, et ça, c'est déjà pas mal. Et donc du coup, on va faire petit sourire, petite bonne chance. Et je viens de me rappeler que... je viens de me rappeler que ce que je suis en train de faire, c'est à la recherche du deck parfait. J'avais oublié. Ah, j'avais oublié, c'est comme ça, des fois t'oublies, tu sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. C'est... Le cerveau est fait comme ça, tu oublies des fois, ça arrive. Mais malgré tout, c'est déjà plutôt pas mal. Oh, oh, stoppé, non, tu me les tues pas. Oh oui, c'est magnifique, regardez-moi ça, le sort des apins. Oui, c'est le sort des apins. Non, j'arrête avec ça, franchement, j'arrête parce que... Je peux vous assurer que... Ah non, enfin, je dis rien. Ah non, mais bon, je dis rien. Oh là là. Oh. Imaginez avec le sort de rage que j'aurais mis. Imaginez avec le sort de rage que j'aurais mis. Alors, tu sais quoi, on va mettre ça, on va mettre le sort de rage direct. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe de ouf? Allez, bim! Aïe, hop! Salut la tour! Et en plus, il met son... comment ça s'appelle? Son métro ici, voilà. Il met son métro ici. Ouais, voilà. Bah, ça va sous terre. C'est un métro, non? Franchement... Oh là là. Eh, franchement, pas mal. Donc, du coup, je pense qu'on va plus prendre la deuxième... Allez, on est chaud. On prend la troisième. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, on prend la troisième attaque. C'est parti. Enfin, la troisième attaque. On prend la troisième... Ah mince, ouais, elle sort... Ah ouais, géant. Ah, ça... Ouh, ça fait mal, ça. Ouh, ça fait mal, ça. Il va mettre le sorcier, là, je parie, hein. Ouais, ah, le sorcier. Allez, ok, il aime le sorcier. Boom. Ah, malheureusement, c'est pas très grave. Ça arrive. Allez, hop, tu me tues ça, nickel. On va envoyer quoi? Oh, mais comment il est en train de me désinguer avec son machin, là? Mais pourquoi j'ai rien pour défendre ça, moi? C'est la horde de gargouille normalement, mais là, je l'ai pas quoi. C'est pas grave, on va y arriver. On va faire. Mais non. Mais quel gros teubé. Ah, quoi que ça va, la tour elle tire plus vite. Eh ouais, mais non, ça va, franchement, ça va, c'est pas mauvais. Donc du coup, ah, nickel, ça j'aime quand tu fais n'importe quoi. Ça j'aime. Ah, ça fait plaisir. T'as le seum là. Hein. Allez, à vous, t'as le. Bien comme ça là, hein. T'as le seum là. Allez, c'est parti, on envoie quoi? On envoie le petit géant. Toc. Nickel. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire avec mes hordes de gargouilles? Tu pourras pas les tuer, mon petit. Eh ben voilà, nickel, regardez-moi ça. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'on se fait plaisir, regardez-moi ça. Le petit. Oh, le sorcier qui prend cher, le sorcier. Ah, j'ai presque envie de mettre ça là. Allez, c'est parti. Ça sera déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est vraiment déjà pas mal.
Et donc du coup on va envoyer ça. Voilà, comme d'hab, hein, il pourra pas faire autrement, on va enlever la Vaki. Et puis voilà, bon, on a pas eu 3-0. Oh, là c'est bien joué avec le sort de zap. Là, c'est généralement, les gens, ils arrivent pas trop bien à l'utiliser, et ils prennent qu'une partie des squelettes. Et là, il a tout pris, franchement bien joué. Voilà, bon, là, le sort de zap, allez, à la limite, il a un petit peu servi. et encore. Bon, alors, et bah du coup, hein, qu'est-ce que je vais faire, moi? Et bah, c'est, du coup, je vais devoir vous laisser sur ce. Bon, bah j'ai envie de vous dire que c'est vraiment, ça s'est vraiment, vraiment, vraiment bien passé. Parce que des fois, tu présentes un deck et puis finalement le deck il est vraiment, mais il est pourri. Et il y a des fois je me dis bon, faut peut-être pas exagérer non plus quoi. Parce que quand je te dis que des fois ils sont pourris, vraiment, vraiment pourris. Il y a des fois c'est vraiment, c'est fou. Mais bon, là franchement, énorme surprise. Il est magnifique. Après, c'est peut-être des coups de chance. Franchement, il y a des fois, j'ai de la chance, des fois, et il y a des decks qui passent bien comme ça, et puis le lendemain, finalement, bah, tu te fais exploser tout le temps, et bon, voilà. Mais j'ai l'impression, franchement, qu'il a du potentiel. On va pas se cacher, franchement, j'aime bien. Donc, bah, du coup, bah, voilà, c'est tout, quoi, ce que j'ai à vous dire. Et donc, du coup, bah, on s'est fait 3 attaques. Vraiment, vraiment, plutôt pas mal. Hein. Je sais plus. Je sais plus si j'ai perdu une attaque. Si, je crois que j'ai perdu une attaque juste avant de commencer. Enfin, avant de commencer les 3 attaques. Ouais, je crois que j'ai perdu une attaque. Mais c'était pas extrême non plus. Je sais plus du tout. Ouais, c'était pas extrême, ouais. J'arrive plus à me rappeler, mais... Je me rappelle vite fait. Enfin bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir vous laisser sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool!